Salut, c'est Mayou. Nous voilà au Florida, salle mythique à Agen. On a passé une semaine fort agréable. Nous avons préparé notre prochaine tournée, Pas d'ici. Pas d'ici qui est aussi le titre de notre EP. Vous pouvez déjà écouter sur toutes les plateformes streaming. De la poussière sous les épaules et du sable fond des poches. J'ai pris la mer, ça m'a fait drôle, j'ai pris la mer quand j'étais mioche. Partagez surtout beaucoup d'émotions et de la joie. C'est la proposition artistique de cet univers. C'était l'été. Je suis le papa d'ici. Qu'est-ce qui représente l'enfance pour nous? Des goûts, des odeurs et quels souvenirs? Le goût du soda, les glaces, chocolat. Bien sûr, par le biais de mes origines, toujours influencé par la musique populaire brésilienne, qui est déjà une musique de fusion. Et le but encore, c'était de partager toutes ces influences-là aussi avec mes musiciens qui m'ont aidé à relever le défi qui pour moi, en tant que pas d'ici, est celui de chanter en français. Le château des ruelles de San Salvador ne répond que cri de la nuit. Pour moi, travailler avec Mayou, ce qui a été très chouette, c'est qu'il est dans un univers qui n'est absolument pas le mien. C'est-à-dire que toute la musique sud-américaine, je l'ai jamais pratiquée. Moi, je viens de la pop. Et ce qui est super avec Mayou et avec ce projet, c'est qu'il accepte vraiment que chacun des musiciens amène ses propres influences et les mélange à sa musique. On s'est rencontrés au conservatoire lors de nos études et c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer à jouer avec Mayou. Mayou, c'est un grand frère, un musicien et chanteur super talentueux. Et c'est marrant parce qu'on partage la passion pour l'Amérique latine et puis avec cette pop aussi, cette chanson française, c'est un vrai plaisir. Coucou, je suis Clément, c'est moi qui m'occupe de faire le son en face dans la salle de concert pour Mayou. Et je dois avouer que c'est un projet qui me plaît beaucoup. Moi, en tout cas, je groove bien derrière ma console. Et puis, l'ambiance dans l'équipe est super chouette, super sympa. Et on peut le ressentir dans la salle qui se dégage très, très bien. Et puis, si je fais bien mon boulot, vous devriez l'entendre aussi. C'est très, très bien. Très, très bien. J'ai pas d'idée à vous dire, mais venez le voir, le concert. Vous verrez, c'est surprenant. C'est plein de couleurs. Je suis le gars de là-bas, du coup je m'échappe.